pour ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit kawa, un petit café, un petit chocolat, un petit cappuccino, un petit thé, un petit ce que vous voulez. Et si vous me regardez à midi, on se retrouve pour l'apéro. Comment s'est passée votre semaine à vous, les filles et les gars? Moi, ma semaine, elle a été très enrichissante sur le côté humain, sur le côté d'apprentissage de pas mal de choses. Et ça a été aussi une semaine très fatiguée moralement, parce que j'étais en formation et j'étais en journée syndicale pendant 2 jours et du coup ça demande beaucoup, pas de concentration, mais on a plein d'infos qui arrivent, il faut les travailler, enfin tout ça, du coup c'est vrai que ça demande beaucoup, ça change vraiment d'une fatigue physique. Et pour moi, la fatigue morale est beaucoup plus difficile à récupérer que la fatigue physique. En plus de ça, c'est mêlé à ce qu'un con ou une conne, excusez-moi du peu, m'a piraté mon compte Instagram. Et je pense que y en a qui sont contents parce que dès que j'ai posté ma petite vidéo pour vous prévenir, pour pas que vous fassiez pirater votre compte, parce que du coup vous êtes dedans, je vous ai dit. Le compte qui m'a piraté, c'est Dorina, je sais plus quoi, allez voir ma petite vidéo, de toute façon j'ai dû écrire le nom, même dans les commentaires. J'ai rouvert un Instagram et pour celles qui veulent me suivre sur Instagram, parce qu'en plus pour moi c'est plus facile aussi, j'adore ce réseau, mais c'est plus facile quand on fait des concours, c'est simplement Dean Makeup, voilà. En tous les cas, pour la personne qui m'a piraté, je n'en resterai pas là parce que je tiens à récupérer mon compte et on verra par la suite. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment. La personne qui m'a mis le pouce 1, écoute mon gars, tu sois fille ou mec, j'espère que toi un jour tu connaîtras la même chose que j'ai connue. Franchement, j'aime pas souhaiter du mal aux gens et ça je n'ai pas du tout apprécié. Même certaines abonnées m'ont dit c'est pas cool du tout de mettre un pouce rouge par rapport à ça. Mais le malheur des autres fait le bonheur des autres, c'est bien connu dans ce monde. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc psychologiquement, ça a été houhou, voilà. À côté de ça, il y a certaines choses pareilles qui sont venues se greffer cette semaine. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu la tête qui a été bien chargée. Les neurones enflammés, on va dire. Donc je vais vous parler de produits pour désenflammer les neurones et prendre les choses, on va dire, un peu plus avec philosophie du « j'en ai rien à foutre ». Donc voilà. Alors, pour conclure le sujet d'Insta, si vous voulez venir me rejoindre, c'est Dean Makeup. Ce qui m'a gonflé, c'est que j'ai 5 ans de ma vie, façon de parler, sur Instagram depuis que je l'ai ouvert, j'ai 5 ans de ma vie. Et il y a toujours une raison à ce que l'on vit. Là, ça m'a appris que je ne mettrai plus de photos de ma fille et de mon chéri ou autre, que ce soit câline, voilà, c'est pas grave. Même moi, au niveau de mon visage, je vais peut-être éviter de mettre, parce qu'on fait ce qu'on veut avec les photos. Donc, je ne me plains pas, parce que de toute façon, je sais très bien, on s'expose, on est à la vue de tout le monde, il peut se passer n'importe quoi, voilà. Je vous conseille de changer vos mots de passe. Vous avez vu encore sur les infos, Yahoo s'est fait pirater au niveau des boîtes mail sacrément. Donc je vous conseille de changer vos mots de passe. Bien évidemment, n'oubliez pas de les noter et de ne pas mettre le mot de passe sur tous les réseaux. Voilà, donc moi, tout est changé. Et je remercie mon network Brand TV aussi qui a sur sa page mis une information pour Google et YouTube, c'est-à-dire qu'on peut maintenant doublement sécuriser avec un mot de passe et on a aussi des codes qu'on reçoit sur notre téléphone et sur un deuxième téléphone et ce qu'on veut, voilà, je vous invite vraiment. Je l'ai publié sur mon mur, ce que mon network avait mis, ça tombait vraiment au bon moment et je l'en remercie, donc j'ai tout sécurisé. On n'est pas à l'abri, donc voilà, donc ce qui me dérangeait surtout, c'est de prendre mes photos et de faire n'importe quoi avec mes photos. Donc après, en tout cas, pour celles qui sont dans mon Insta d'avant, barrez-vous, enlevez-vous. Si je le récupère,
de toute façon, je le ferme. Voilà. Pour moi, c'est on oublie, je ferme cet Insta-là. On y est déjà rentré, donc on peut très bien y revenir. Et j'ai pas envie, quoi. Voilà. Donc la photo de cette jeune femme, elle est bien sûr le cul à l'air. Donc l'intelligence même. En plus, elle nous parle américain et en plus son compte il est privé avec mes photos dedans. C'est sympa. Bah écoute, si t'aimes bien voir ma bouille tous les jours, bah c'est ton problème. Hein. Pas le mien. Mais bon, tu m'as bien fait chier maintenant. Mais bouge pas, ce qui va t'attendre. Voilà, alors donc ma semaine, je pose ma tasse, là je filme dans ma chambre avec ma petite pote, j'aime bien aussi filmer un peu ici, donc j'étais lundi en journée syndicale, ensuite mardi, mercredi, jeudi je suis allée en formation, vous allez voir sur ma chaîne arriver un haul Kiko, parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée à Kiko, et je voulais racheter, vous savez, hein, mes chouchous, mes doubles touches. Donc j'en ai racheté deux. Je ne vous les swatch pas, je passe parce que vous allez avoir la vidéo, donc ça ne sert à rien. J'ai racheté mascara, j'ai racheté les nouveaux, donc celui-ci c'est un Revlon que je vais vous en parler après. Les nouveaux rouges à lèvres qui sont cette packaging-là, les gloss 3 HD ou 3D, je ne sais plus comment ils ont mis. Enfin bref, donc j'en ai acheté un, donc je testerai aussi en live, donc je ne vais pas vous le montrer parce que je voudrais faire une vidéo, mon premier ressenti, mon avis, tout ça, et voilà. Donc j'y suis allée avec une camarade, on dit, ou un copain donc syndical dans cette formation, ça a été très 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 enrichissant, j'ai appris plein de choses, et en plus le formateur qui nous a formés, à travailler au ministère de l'Intérieur, niveau syndicat et faux, en garde rapprochée, donc il fait partie de la police, donc j'ai énormément appris, Madame Dorina Instagram. Donc voilà, c'était vraiment très très enrichissant, j'adore aller en formation, en plus... tout est payé, on mange et tout, c'est génial, on fait de super belles rencontres, enfin j'adore, j'adore, ça fait vraiment du bien. Voilà ma semaine, j'ai pas Lily, je la récupère ce soir, ma petite nénette, et à l'heure où je vous parle, vous savez que je préfilme mes vidéos toujours à l'avance, je suis en plein examen médical toute la journée, donc là à l'heure où je vous parle, hein, bien sûr c'est avant. Donc, ben, je vous en reparlerai peut-être dans lundi, viens boire un café, d'après. C'est la suite de tout, de tout. D'ailleurs, cette semaine, j'ai dans ma formation, il y avait quelqu'un qui avait les mêmes soucis que moi, même voire pire que moi au niveau pulmonaire. Et là, les matins, je ne sais pas par chez vous, mais les matins par chez moi, en fait, c'était... c'est très humide, froid, mais surtout l'humidité, et là c'était bon, le nez était pris, je sentais que je peinais un peu à respirer, je me dis mais non, j'espère pas, enfin on est enfin dans l'angoisse, et du coup j'en ai parlé avec cette personne là parce que je l'ai vu prendre de la ventoline et je lui dis ben t'as des problèmes d'asthme, enfin tout ça, et puis ben, c'était un gars, en plus il aime le rugby. Allez, Stade français, allez, la France, allez, les All Blacks, donc voilà. Et du coup, bon, il n'a pas du tout la même équipe que moi. Mais bon, on a bien parlé, ça fait du bien de parler aussi autre chose du make-up, hein, mais ouais, c'était le sport aussi, donc c'était sympa et on a parlé de ça. Et quelque part, ça m'a vraiment fait du bien de parler. En plus, lui, il a fait un coma asthmatique, hein, et du coup, je savais que c'était très dangereux, hein. Il y a des personnes qui en décèdent, et bah, quelque part, ça fait du bien ouais, de parler de ça. Sinon, rien d'autre de la semaine, après ben, le week-end, voilà, on s'est promené, et puis voilà. Donc, je vais vous parler de certains produits, je vais faire un petit peu vite aujourd'hui, ça va peut-être durer un petit peu moins longtemps pour certaines raisons que je ne peux pas évoquer. Voilà, alors, ma maman et mon papa, ça, ils sont revenus de vacances, donc du coup, on tourne les vidéos quand on peut, non, je rigole, c'est qu'en fait, mon père, il attend ça que je tourne les vidéos, pour m'embêter, voilà, ils m'ont ramené le parfum Escada, pour celles qui me suivent sur Snap, quand je fais mes lives sur Facebook, j'avais parlé de ce parfum-là, j'ai reçu un échantillon lors d'une commande de Sephora, et je l'adore, ils sont vraiment trop trop bons,
Et je l'aime bien. Par contre, c'est vrai qu'il ne tient pas. Il y a beaucoup de filles qui m'ont dit, sur moi, il ne tient pas. Et c'est vrai que sur moi, il ne tient pas du tout. Ça, embêtant au prix où il vaut quand même plus de 50 euros les 30 millilitres. Hein. Voilà. Donc, je me suis dit, ben, je ne vais pas le mettre du coup, là, cet hiver. Vous voyez, je l'ai testé, là, comme on a eu du beau temps. Et je vais le remettre dans sa petite boîte, parce que la bouteille, elle est super belle. Et puis, je le prendrai pour le printemps prochain. Voilà. Ensuite, je voulais vous reparler de ces deux produits-là. Vous savez qu'avec Fred, on avait été à Stokomani. Ce sont... Alors, je les ai déjà vus, hein, ça fait belle lurette, mais ça ne m'avait jamais attiré. Et là, bah, Fred a voulu me les prendre. Ce sont les Glam Sham de L'Oréal. Brillance, scintillante, volume, effet glamour. Alors, moi, ça, ces produits-là, je dirais que c'est pour une adolescente, c'est pour une femme, je pense à une abonnée Aurélie qui ne se maquille pas. Ou alors même moi, si par exemple dimanche j'ai la flemme, je reste à la maison, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ces produits-là, rien du tout. Le produit plus rose, il est à la fin, donc c'est-à-dire qu'il faut tourner pour l'attraper, pour mélanger, parce que sinon on n'a que du blanc là. Donc sur les lèvres, c'est pas... Je vais vous faire un petit swatch, c'est pas... Pff, c'est pas terrible, quoi, voilà, je vous dis, c'est juste si on veut un petit truc glossy sur les lèvres, mais... Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, ou même pour les jeunes ados, hein, ça peut être des produits qui sont intéressants. Voilà, je voulais vous dire mon retour, hein, je vous avais promis que je le ferais, donc je le fais. Ensuite, je vous ai fait ce matin, je l'ai tourné, ce crash test de ce mascara-là. C'est le nouveau mascara de chez L'Oréal. Donc le volume million de cils, celui-ci c'est le fatal, le féline je l'avais adoré et celui-ci c'est le fatal. Je vous donne vite fait mon avis, mais je vous inviterai à voir le crash test quand il sortira. La brosse en fait, c'est une brosse en silicone, les picots ils sont deux par deux et vous allez voir lors du crash test en fait, j'ai fait une première fois comme ceci, j'ai pas fait par le dessus par contre l'autre œil, oui, je sais pas si je m'explique bien la France là, mais bon, bref. Et vous verrez, mon avis, pour moi, ce n'est pas un mascara qui me convient. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien, attention, c'est pour mes cils, c'est un mascara qui ne me convient pas par rapport à la forme de mes cils et à ce que je veux, par rapport au picot aussi. Donc vous verrez dans mon crash test et vous en aurez bien évidemment un à gagner sur mon Instagram dès que la vidéo sortira. Ensuite, lors de ma petite formation, en sortant de formation, donc il y avait Monoprix, il y avait Kiko, il y avait Sephora, il y avait Mariono, il y avait Nocibé, il y avait Beauty Success, il y avait plein de magasins, voilà. Et j'en ai entendu parler, et là je l'ai pris parce qu'il vaut plus de 12 euros, je me souviens plus, il est même plus cher. Et là il était à 9, ou j'ai eu à 7 euros, un truc comme ça. Donc je me suis dit, je vais le tester. Sinon, je vous jure, je ne l'aurais pas testé. Ça, non, ça ne m'intéressait pas du tout. Quand j'ai vu le packaging, j'ai adoré cette forme de packaging. Ça change des packaging ben, gloss, vous voyez, comme ça. Hein, tout. Là, j'ai bien aimé. C'est comme ceux de chez Kiko. Déjà, le packaging. Et quand j'ai vu cette couleur un peu bois de rose, je me suis dit, waouh, et c'est un mat. Alors, je vous avais fait, pareil, un petit truc sur Snap, hein, pour celles qui me suivent sur Snap. Donc, je vous encourage à aller sur Snap parce qu'il y a des infos que je ne donne pas autres. Voilà, parce que ben, ça change aussi. Voilà comment il se présente. C'est un mat. Donc, je suis en train de le tester. Je le teste. Ma première impression, en fait, c'est que la matière, elle est beaucoup trop épaisse. Donc, pour le séchage du produit, laisse tomber, quoi. Ça met une plombe à sécher. Je préfère les mats beaucoup plus liquides, comme ceux de Kiko, là, où tu peux en mettre et en remettre, en remettre. Vous allez avoir une vidéo, bien sûr, sur un nouveau site... Et un nouveau site que je suis en train de tester, où j'ai pris les produits, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais j'ai tourné la vidéo, donc je passerai très vite. Donc la couleur, celle-ci, c'est 600, donc vous voyez la couleur, mais je la kiffe, j'adore, c'est un bois de rose. Moi, c'est les nudes que j'adore, les bois de rose comme ça, mais la texture, elle est trop épaisse, et ça, celui-ci, il a tendance justement à me dessécher les lèvres. Au niveau de la... Alors, ils mettent Ultra HD Matte Lip Color. Quand on le met, franchement, ça vous fait une bouche. Elle est vraiment belle. Même vous, vous me l'avez dit sur Snap, vous avez adoré. Même moi, j'ai adoré. Mais au fil du temps, ça se désagrège, ça se décompose. Là, si on a mis trop, on a le truc blanc, là. Mais ça fait rose, ça fait dégueulasse. Voilà.
C'est pas un produit, j'irai pas racheter les autres couleurs. J'ai celui-ci, je vais l'utiliser, mais j'irai pas racheter les autres couleurs. Voici mon avis personnel, bien évidemment. Donc, en vous parlant des autres produits, j'ai fait une commande sur le site Maki Haul, où vous allez bien évidemment voir la vidéo cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas, pour commander plusieurs produits que je ne connais pas. Donc, ce site-là, Maki Haul, la personne qui le tient, Cécilia, donc elle se lance, hein, que ça va être un site comme Beauty Junk, comme Coin Makeup, on va retrouver beaucoup de produits. Donc là, elle est en train d'en faire rentrer beaucoup, dont Mélanie, que je veux absolument connaître et que j'ai pris des produits, et dont Girl Lactite, yes! Je suis contente qu'elle ait réussi à avoir ces produits-là, c'est French Touch Makeup que j'adore, une youtubeuse make-up professionnelle que je kiffe vraiment, qui en parle beaucoup, qui est proche de ses abonnés, qui donne beaucoup plein de codes promo, et du coup, bon, c'est un gloss mat, un rouge à lèvres mat, qui vaut quand même 25 euros, mais vous verrez que lors de ma vidéo, vous aurez moins 10%. Alors, je ne vais pas vous donner le code maintenant, hein, parce que vous allez aller voir ma petite vidéo avant. Allez, Maline, regardez-moi ça. C'est une couleur, je vous le swatch, par contre, je ne vais pas vous swatcher les autres, sinon, bah, ça ne sert à rien que je fasse une vidéo exprès, hein. Là, ils sont bons, là, c'est liquide, là, il s'applique bien, là, il tient, là, ça ne dessèche pas les lèvres. Bah, 25 euros aussi, mais bon, on en trouve à pas cher, hein, comme les Kiko, là, les double touch, où ils sont top aussi, voilà. Donc, vous voyez, celui-ci que j'ai mis tout à l'heure, il n'est pas encore sec, hein, le Revlon, pour vous dire. Hein. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo, et voilà. Et donc, j'ai découvert, en fait, ce site-là, je ne l'ai pas découvert, c'est que c'est ma pote Nasta Makeup, avec qui j'ai collaboré, qui est la meilleure amie de ma sœur, qui est, entre guillemets, l'égérie, c'est-à-dire qu'elle va faire des swatchs, elle va faire des make-up, tous les produits qu'il peut y avoir dans la boutique de Cécilia, elle va les utiliser pour vous montrer les swatchs et comment on s'en sert. Et là, je me suis dit, bah du coup, ça me donne trop envie de commander. Et franchement, Cécilia, au niveau communication, au niveau tout, vous le verrez dans la vidéo, vraiment super. Et en plus de ça, je lui ai dit, écoute, je passe commande et tout ça, mais est-ce que je pourrais avoir un code? Parce que là, j'ai passé commande, c'est pas un partenariat. Et est-ce que je pourrais avoir un code promo pour mes abonnés? Elle m'a dit oui. Bon, et bien ça a tout son avantage, tout son honneur, et j'en suis vraiment contente. Donc j'ai commandé Galactique, j'ai commandé un mat de chez Milani, en gloss, en rouge à lèvres et des crémeux. Voilà. Ensuite, vous verrez, j'ai fait un haul action! Et vous allez avoir des concours. Je ne vous dis pas le contenu, mais je vous montre simplement. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est trop. Des boucles d'oreilles, alors ça pète comme du verre, mais d'ailleurs je me demande si c'est pas du verre, avec des petites perles, c'est trop beau, j'en ai pris plusieurs, donc ça c'est les miennes, les vôtres, elles sont enveloppées, enfin il y aura une gagnante, et ça se passera aussi sur Insta, regardez-moi ça, c'est vraiment chouette. Et je pense, si j'ai le temps, c'est le temps qui me manque en fait, il faudrait que limite je travaille plus, mais qui c'est qui va me payer, c'est que je pourrais vous faire des vidéos en mettant les boucles d'oreilles, en prenant les photos, il y en a qui y arrivent, mais moi j'ai pas le temps, parce qu'au moins vous verrez vraiment les couleurs et tout. Je vais essayer de vous le faire, je vais essayer, attendez, je l'ai pas dit que je le faisais, je vais essayer. Attends, je prends une gorgée de café, mon gars. Ensuite, je vais aussi vous faire un petit concours pour gagner ces blushs-là. Oh, mais déjà, ça fait très longtemps, c'était Eve de Rêve qui tient une chaîne YouTube, le Nail Art, et c'est une copinote. Hein. Pour moi, c'est pas une abonnée, hein, c'est une copinote maintenant, qui m'avait envoyé un Max & More, mais carré, et il a une tenue, mais de dingue. Et j'avais acheté celui-ci, le corail que je porte, et... attention à la pigmentation, mon gars. Et ça tient. Pour le prix des blushs, mais un truc de dingue. Donc, j'en ai racheté d'autres. Ouais, j'en ai racheté d'autres. Mais j'en ai pas racheté pour moi. J'en ai racheté pour vous aussi. Que ça sera aussi sur Instagram. Donc, voilà. Et bientôt, je vais vous faire gagner ma petite enceinte que je kiffe de chez Action. D'ailleurs, il n'y en avait plus quand on y était. Donc, voilà. Mais tout ça, faut du temps. Du temps. Du temps et de l'argent. L'argent, du temps surtout. Regardez-moi ça. Hop. Beau, vous allez me dire, des swatch, et ben non, ben non, je ferai des swatch et je le mettrai sur Instagram. Donc, allez sur Instagram. Alors, j'ai reçu ces Gwen Boutique, je vous en ai parlé, les bijoux, les 5 à main. J'ai commandé un collier, mon gars. Regardez-moi ça,
Regardez-moi cette merveille. Il est trop beau. Trop beau, chaîne réglable avec les petites boucles d'oreilles. J'adore. J'ai commandé ces boucles d'oreilles-là aussi. Donc, que je mettrai un jour, peut-être. Regardez-moi ça, comment elles sont belles. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sa page. Et comme je le dis, Noël va t'arriver. Donc, allez-y, foncez. Mais là, je suis trop fan de ce collier. Il est trop beau en noir. Il est vraiment magnifique. Alors, je vous montre. Le Girl Lactique, il est sec. Et regardez le Revlon. Pas encore. Hop, j'ai une copine aussi qui m'a envoyé un Clinic Pop, le 6 Poppy Pop. Je ne l'ai pas testé. Par contre, la couleur, elle est magnifique. Il se présente comme ça, les cliniques. Il est vraiment trop beau. C'est des couleurs que moi, j'aime. Hein. Et je ne l'ai pas encore testé. Ah oui, il est crémeux. Putain, la couleur, elle flash. Hein. Waouh, trop belle. Regardez. Ça fait un coquelicot. Donc j'aurais même pu le mettre avec celui-ci. Là j'ai mis un clair de chez un corail de chez Kiko. J'ai mis celui-ci. Mais avec la lumière, ça ne fait pas pareil. Mais j'aurais même limite pu mettre celui-ci qui est encore beaucoup plus pétant. Donc je l'en remercie. Je lui fais plein de gros bisous. Donc on va bon voilà, apparemment il y a une base avec le rouge intense. Donc on va tester ça. Maintenant, je vais vous parler de produits de compléments alimentaires. Vous savez que ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé, mais en fait, j'aime tout ce qui touche à la naturothérapie, donc naturopathe, ostéopathe, éthiopathe, sophrologie, je suis beaucoup dans ça, et j'essaye de me soigner, d'améliorer certaines choses par rapport aux compléments alimentaires. Je vous le remonte et je vous bassine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce produit-là, c'est la spiruline qui est vraiment un produit topissime si vous êtes fatigué, si vos ongles, vos cheveux, votre état interne, votre état externe. Ça, c'est le produit qu'il vous faut. Mais pas la spiruline de Juvamine. Non, les filles. Ça, vous en avez 98%, 99,50% dedans de spiruline. Ce sont des cachets verts. Vous pouvez aller jusqu'à 10 comprimés par jour, même les enfants, ils peuvent en prendre, c'est jusqu'à quel âge? De 4 à 6 comprimés par jour. C'est vraiment un produit, mais qu'il faut prendre dès maintenant. Et moi, je me fais en général des cures de 3 mois. Ça ne va pas vous empêcher de tomber malade, mais au niveau de défense immunitaire et même au niveau de la fatigue, ça va aller beaucoup mieux. Et ça, je vous le conseille. En magasin bio, moi c'est La Vie Claire, mon magasin bio, mais en magasin bio, celui-ci, il est vraiment top. Alors, vous n'allez peut-être pas retrouver la même marque, mais allez-y, foncez, s'il vous plaît, les filles, foncez. Vous êtes beaucoup à me demander la spiruline et tout ça. Donc, pareil, je ne suis pas médecin, donc allez aussi sur internet, hein, c'est fait pour ça, notre ami Google, vous documentez, c'est que du fer la spiruline, donc il n'y a pas de contre-indication au niveau maintenant médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous ne savez pas, demandez à votre médecin, mais là en fait ça va être bien pour l'équilibre de l'alimentation des personnes âgées, ça va être bien pour les sportifs pour récupérer, ça va être bien pour les femmes, enfin tous les âges, la carence en fer, elle aide à la croissance chez l'enfant, chez l'adolescent. Enfin, ça fait plein, plein, plein de choses. Je vous le conseille. Deuxième chose au niveau immunité, mais là, attention, attention. Regardez la notice. Si vous prenez des médicaments chimiques, on va dire, si vous n'avez pas une contre-indication avec le pamplemousse, parce que celui-ci, c'est un complément alimentaire d'extrait de pépins de pamplemousse. C'est des gouttes à prendre 20 par jour, le matin, je le mets dans le jus d'orange. Mais il y a certains médicaments, comme des antibiotiques ou autres, c'est pas préconisé du tout de prendre du jus de pamplemousse. Et moi, je le sais, parce que dans certains, je ne sais plus quel antibiotique, il y a d'autres médicaments, je ne pouvais pas prendre de pamplemousse. Ce n'est franchement pas drôle, hein. Ce n'est pas des conneries que je vous raconte. Il y a certains médicaments avec le pamplemousse, c'est interactif. Donc faites bien attention. Il y a certaines pilules, les filles, où c'est écrit aussi. Donc ne faites pas de conneries, je vous ai mis en garde. N'allez pas dire, Dina m'a dit d'acheter ça et puis voilà. Non, 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 je ne suis pas médecin non plus, je vous l'ai dit. Je vous dis moi ce que je prends et je vous mets en garde de ce que je sais. C'est un complément alimentaire qui ne va pas substituer un régime alimentaire, il faut bien être clair aussi.
C'est simplement, vous tapez aussi sur Google, au niveau d'extrait de pépins de pamplemousse, c'est antifongique, antibactéricide, il y a énormément. C'est l'antibiotique naturel, ce truc-là. Ça va vous aider dans les défenses immunitaires. Pour même, si vous voulez en mettre sur votre brosse à dents, si vous voulez en mettre sur vos lèvres, je vous en avais déjà parlé, c'est un produit qui est topissime. Mais attention, si vous prenez des médicaments chimiques, que ce soit des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antibiotiques, ou alors pour le cholestérol, pour l'hypertension, regardez avant de prendre ce produit-là. Et franchement, par contre, si vous pouvez le prendre, foncez, faites-vous une cure aussi, même tout l'hiver, là, passez tout l'hiver avec ça, moi c'est ce que je vais faire, et c'est le top. Et là, bon par contre, ça craint rien, j'ai pris de la vie claire, du miel à la gelée royale. Il y a vraiment de la gelée royale dedans, il y en a 8%, et le miel, il y en a 92%. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus sur sa tartine, hein, mais franchement, il est trop bon et je vous le conseille. Ensuite, dernier produit que je vais vous parler, justement, quand je vous parlais de l'état pas bien du tout. Donc là, il faut que je prenne mon téléphone. Je vais le chercher, je suis juste là, parce que je l'ai mis avec Google pour vous en parler. Je l'ai mis dans Google, dans les favoris. Donc c'est un produit, c'est un complément alimentaire qui s'appelle le GABA. Il y en a peut-être qui ont l'habitude de l'utiliser déjà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et il y en a d'autres qui ne connaissent pas, comme moi, ben, je ne connaissais pas du tout. Alors, je suis en train de chercher. Ben, bien sûr, ça ne me l'a pas mis. Parce que je voulais vous dire un peu. Si vous voulez, là, dans l'état où j'étais, c'est que j'avais trop de choses en tête. Voilà. J'avais trop d'informations à analyser, à digérer. J'étais pas spécialement open, on va dire. Et du coup, j'avais des crises d'angoisse. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Donc, vos clients se sentent mieux, ils sont dans l'incapacité de se détendre et n'arrivent plus à s'endormir facilement ou ont recours à des médicaments anxiolytiques. Ça peut arriver, ça, je juge personne, même moi j'en ai déjà pris hein, depuis de nombreuses années. Pour retrouver calme et sérénité physique et mentale, il existe une substance naturelle produite par l'organisme, le GABA, que vous pouvez ajouter à vos linéaires de compléments alimentaires anti-stress. Alors, pourquoi le recommander, hein, je vais passer dessus, mais tapez sur internet, vous verrez aussi. Le GABA ne va pas agir sur vos clients déprimés ou dépressifs. Il est surtout préconisé en cas de sensation de boule dans la gorge, d'incapacité à se détendre, de sentiment de tension physique, de sentiment d'être submergé par l'anxiété, incapable de prendre de la distance face aux événements qui surviennent. Moi, c'est tout ça hein, que j'avais, hein, que j'ai encore d'ailleurs. Des difficultés d'endormissement puisqu'il favorisait un sommeil profond et réparateur, ça vous le savez, vous avez toutes vu mes insomnies hein, sur les réseaux. Et contrairement au somnifère, va entraîner ni somnolence, donc ça c'est bien le jour, ni risque d'accoutumance. Voilà, il sera donc parfait pour aider vos clients à se sevrer de leur anxiolytique ou de leur somnifère. De troubles de comportement et d'humeur dus au stress afin de retrouver calme, apaisement chez vos clients. Alors, comment le recommander ? Les dosages et le moment des prises sont en fonction de l'effet souhaité sur vos clients. À conseiller une heure avant le coucher pour s'endormir plus rapidement et avoir un sommeil réparateur. À recommander en fin de journée au moment du goûter, par exemple, pour décontracter et soulager les pressions de la journée. À préconiser en début de journée et au cours de la journée en cas de tension musculaire due au stress, de palpitations cardiaques et d'anxiété généralisée. Alors moi je le prends le matin, surtout le prendre à distance des repas parce qu'en fait elle va être synthétisée au niveau des intestins, donc il ne faut surtout pas prendre au moment de manger. On peut voir augmenter les doses, il n'y a pas de souci. Les effets secondaires. Dans les études effectuées chez l'homme, aucun effet délétère, n'a été rapporté, aucune publication ne fait d'état d'effets secondaires après 12 semaines de prise. Voilà pourquoi je l'ai pris, parce que trop d'informations tue l'information, j'étais pas bien, il y a des choses que je peux pas vous parler, que j'ai eu en même temps, et du coup, ben, ça allait pas, et voilà, donc quand on peut plus arriver à un moment donné, ben, c'est stop, quoi.
quoi. Et là, je pouvais plus. C'est-à-dire que je faisais des crises d'angoisse, mais en même temps, je dormais mal. J'avais une boule là, j'avais une boule à l'estomac. Bon, j'ai encore ça et je commence juste hein, là. Donc, je vous redirai dans le temps. Mais je n'ai pas envie de rester dans cet état-là parce que ça me bouffe trop. Ça bouffe ma fille, ça bouffe mon chéri, ça bouffe mes parents, ça bouffe... Enfin, voilà, tout ça. Ça bouffe moi, ça bouffe... Voilà, donc du coup, je me prends en main et puis je fais ce qu'il y a à faire et puis on verra sur le temps. Donc pensez que vous avez bien évidemment les médicaments chimiques et ça, je vous le dirai toujours, je suis passée par là, donc je sais ce que c'est la dépression, je sais ce que c'est les médicaments chimiques, mais si vous pouvez faire du côté naturel tout ce qui est éthiopathe, ostéopathe, sophrologie, la méditation, tout ça, plus des compléments comme là que je vous présente, pour essayer d'arrêter le chimique, en fait, pourquoi pas. Moi, je me dis pourquoi pas. Voilà, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Moi, ma semaine, ça va être calme, normalement, des examens médicaux, deux journées syndicales, je dois être une journée du soir, et après, je ne sais plus comment je travaille. Lâchez prise. En tout cas, vous allez retrouver diverses vidéos et je voudrais vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté là ces derniers temps avec tout ce qui s'est passé, plus tous vos commentaires en dessous des vidéos. Je suis contente que la vidéo d'Elsa Makeup vous a plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la faire, de vous redonner mon ressenti. Et toutes les autres vidéos à venir que vous allez avoir et les petits concours qui vont arriver, bien sûr, sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis smile and zen, bonne semaine, prenez soin de vous. Ciao.